En mai, un abonné PS Plus fait ce qu'il lui plaît, comme jouer. Et si l'inspiration vient à manquer, Tonton Sony est là pour aider. Programme éclectique pour moi extatique, c'est ce que nous allons voir. Comme la température extérieure est encore loin d'être amicale, on se réchauffera d'abord sur PS4 avec Tropico 5, jeu de gestion exotique s'il en est, puisqu'il nous invite à incarner un dictateur assouvissant sa soif de puissance sur une république bananière. Si la course au profit vous tente moins que la course, tout court, alors Tabletop Racing World Tour saura sûrement mieux vous convaincre. Vu d'ici, on pourrait croire qu'il ne s'agit que d'un ersatz de Mario Kart de plus, mais sachez tout de même que le co-créateur de Wipeout est derrière le projet, de quoi attiser notre curiosité. Voilà, c'est tout de même plus nerveux, on voit que vous retrouvez le sourire. Ah, toujours pas assez grisant? Tournez-vous vers Switch Galaxy Ultra, également disponible sur PS Vita. Ici, vos réflexes et un certain goût pour le scoring seront mis à l'épreuve. Mais si tous ces véhicules, vous trouvez que ça manque cruellement de chaleur humaine, sortez vos consoles portables, vous avez rendez-vous avec le brutal Kratos dans God of War Ghost of Sparta. Décor à corps intense, ça redonne la foi. Sur l'ancienne génération, on assume le côté old school avec Bionic Commando Rearm 2. Défilement horizontal, grosses armes qui tâchent, grappin malin et boss pas content, tout y est. Et puis quand même, on n'oublie pas que c'est le printemps, le bon moment donc pour s'octroyer une pause, faire fi de toute cette violence, cette vitesse et découvrir de nouvelles expériences. Ça tombe bien, c'est le propos de Loco Roco Cocorico. Bon, en attendant que dehors ça se coco réchauffe, vous voilà parés pour le mois de mai, jouez bien, en attendant juin.